Monsieur le ministre, cher Franck ester mon cher Franck, monsieur le maire, cher Benoît Payan, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est un très grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à l'ouverture de cette Emerging Valley 2021. Face à la transformation numérique qui s'accélère, on en est tous conscients évidemment, et en particulier du fait de la pandémie actuelle, ni l'Afrique, ni l'Europe ne peuvent manquer ce rendez-vous dont leur avenir dépend notamment. En effet, la décennie numérique qui s'ouvre est une opportunité immense à saisir pour nos deux continents ensemble. Dès 2019, nous avons mis en place, avec le soutien de nos partenaires européens et africains, et en particulier du docteur Abouzied, euh, le commissaire de l'Union africaine, que je salue particulièrement, un groupe de travail commun, la Task Force Europe-Afrique, sur euh, l'économie euh, digitale, qui a rendu ses conclusions sur euh, des points très importants. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est euh, euh, une question essentielle. Comment assurer un, euh, un accès à la fois évidemment fiable, mais aussi abordable, haut débit, partout et pour tous. Comment aussi garantir à, à, à chacune, à chacun, les compétences numériques indispensables Mais aussi évidemment, comment mieux soutenir les entrepreneurs et puis évidemment améliorer la vie de tous nos concitoyens grâce aux e-services ces recommandations, largement soutenues par l'Union africaine dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, ont depuis largement contribué à notre travail commun. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui est tout à fait impliquée euh, euh, dans notre partenariat, a quant à elle souhaité que l'Europe adopte une stratégie globale à l'égard de l'Afrique, notre voisin proche mais aussi notre partenaire, je veux le redire ici, le plus naturel. L'année dernière, juste avant le début de la pandémie, la Commission a adopté une communication en vue de structurer une stratégie globale pour l'Afrique avec la mise en place d'un véritable partenariat pour la transformation numérique. Ce partenariat, nous le voulons pragmatique en couvrant tous les secteurs de la vie de tous les citoyens. Mais aussi évidemment exigeant sur des sujets tels que la cybersécurité ou euh, l'environnement réglementaire, car euh, ça constitue euh, évidemment une condition euh, préalable euh, au développement de l'économie euh, numérique, au dire des Africains et même du reste. Ces priorités euh, définies euh, ensemble sont en parfait euh, accord avec euh, les euh, orientations stratégiques qui vont guider notre action en Europe. Cette décennie sera une décennie de plus en plus tournée vers le numérique. Et nous avons du reste adopté récemment un texte fondamental que nous avons appelé la boussole numérique de l'espace européen pour 2030, pour précisément nous donner ces orientations et ce cadre. Cette boussole, elle va donc guider notre action pour ces prochaines années selon quatre axes, on peut dire quatre points cardinaux. Les talents, tout d'abord. Absolument essentiel, les infrastructures qui sont nécessaires évidemment euh, à, à la diffusion, euh, au support euh, de l'espace numérique, la transformation des entreprises euh, qui est absolument indispensable grâce à ces nouveaux outils et enfin euh, la numérisation des administrations publiques qui est à la fois une opportunité mais aussi une nécessité. L'objectif est de mettre le bon cap, si je puis dire, et d'accélérer la transformation numérique dans une direction qui bénéficie à tous nos citoyens, partout et où qu'ils se trouvent. Et bien entendu, euh, avec également euh, l'ensemble de nos voisins et de nos partenaires. En décembre dernier, nous avons ainsi lancé ensemble notre nouvelle structure un hub baptisé Digital for Development, avec évidemment le soutien des États membres et de tous nos autres partenaires. Sa mission est claire, mettre en synergie nos efforts pour soutenir la numérisation de l'Afrique, ce qui constitue une traduction très, très claire, très concrète de l'esprit Team Europe guidant désormais nos travaux. Il s'agit en effet de construire des ponts entre nos deux continents. Et de structurer dans la durée le partenariat euh, entre l'Afrique et l'Europe. L'esprit euh, d'innovation est particulièrement dynamique en Afrique. Et je puis euh, ici emporter témoignage, avec notamment ces très nombreuses PME, hubs et startups, et votre présence parmi nous aujourd'hui en témoigne. En travaillant très étroitement, tous ensemble, nous pouvons et nous devons aller encore plus loin. C'est aussi le sens d'une déclaration signée le 19 mars dernier par les États membres de l'Union européenne et qui a souligné l'importance de la connectivité comme élément clé des liens Afrique-Europe. Cela pourrait être soutenu par exemple par la création d'un fonds de connectivité numérique dans le cadre d'une approche Team Europe. La Commission étudiera euh, du reste sa faisabilité, avec nos partenaires bien entendu, au cours des prochains mois. Je souhaiterais enfin euh, rendre un hommage particulier à Marseille et à la Provence. Depuis toujours, notre région a, a tissé, euh, évidemment, quand je dis toujours c'est des millénaires, des liens très privilégiés avec euh, toutes les cultures de l'Afrique. Et de la Méditerranée. Et euh, son histoire récente rejoint aussi celle de toute euh, cette région euh, au cours du siècle qui vient de s'écouler. Emerging Valley a trouvé ici euh, le lieu idéal pour euh, assurer cette rencontre. Et vous pouvez vraiment compter sur euh, la présence constante de la Commission à vos côtés dans cette initiative. Dès aujourd'hui, la richesse de l'expérience acquise par nos deux continents, mais aussi par des représentants très importants de la diaspora, doit être mobilisée. Je tiens donc à rendre hommage au maire de Marseille et à tous les élus de la région pour le soutien qu'ils apportent à notre initiative. Votre présence ici et aujourd'hui à l'événement. Constitue une confirmation éclatante de la vocation de Marseille et de sa région. Je souhaitais donc apporter, à mon tour, mon soutien à vous toutes et vous tous qui incarnez à merveille, si je puis dire, l'esprit de notre partenariat. Je vous remercie.